Allez donc deuxième sujet, la DualSense de la PS5 est-elle une évolution Ça donne beaucoup mieux en étant écrit quoi. C'est vrai que c'est difficile de retranscrire les parenthèses à l'oral, mais tu l'as ouais. relativement bien ouais. fait. Donc, donc effectivement évolution ou révolution cette DualSense Sachant que d'ailleurs un ouais, petit aparté, vous pouvez retrouver sur la chaîne une magnifique historique des, des manettes depuis depuis trente ans depuis la création de la, de même la, plus de... que ça enfin, de, depuis les, la création des premiers jeux vidéo ouais donc qui, 40 euh, ans ouais, 40 avec ans des derrière. mallettes qui, qui étaient uniquement une molette pour bouger un, une petite barre à l'écran depuis euh, ouais euh, presque 50 ans hein, 40-50 ans après on, on, là, évidemment il y a une période qui, qui, qui n'a pas bougé mais on a vraiment fait un focus des années 80 et la NES jusqu'à la DualSense en parlant de toutes les consoles euh, sorties euh, je crois qu'on a oublié le CDI et la 3DO mais euh, je pense que personne de mais on a parlé des manettes euh, mega drive saturn du pas de, du, de comment justement le de la manette mega drive on a évolué vers le pas de dreamcast avec cette évolution euh, de toutes les itérations de la la Dual DualShock pour arriver à la DualSense, de la manette Xbox et des accessoires les plus what the fuck du jeu vidéo, donc une super émission et je remercie encore Mathieu l'ex le, stagiaire désormais responsable de la production technique et ressources humaines de la chaîne euh, de, euh, de son implication et de sa gentillesse pour, euh, pour, ce, pour cette euh, émission. Donc justement là il s'agit vraiment du... Euh, le, de la tu DualSense. le turfu, hein c'est le, 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 le turfu du jeu vidéo, donc, incarné par DualSense, qui, qui, a, qui a surpris tout le monde, en fait, déjà, de, de par la manière dont elle a été annoncée, de par son design et de par les fonctionnalités euh, dont on connaissait plus ou moins déjà un peu les, les contours grossiers, hein, c'est-à-dire euh, vraiment euh, le, les retours euh, haptiques. Euh, je pense c'est surtout de, de, de ça qu'on peut réellement attendre des évolutions, voire des révolutions. Est il est ben, laissé... y a quand même... Déjà, il y a une révolution au point de vue du nom. Parce qu'on a eu ouais, la manette Sony PlayStation. Ouais. Ensuite, il y a eu la, la DualShock. Bon, il y en a eu une entre-temps, bon, à part faire l'histoire de l'émission que j'ai fait l'autre jour. La DualShock sur la PlayStation 1, elle n'a pas évolué vraiment entre la PS1 et la PS3. C'est quasiment la même manette. C'était des touches homéopathiques. PS4, déjà, on a une manette avec des sticks qui sont Enfin creux, parce que sur PS3 ils sont encore bombés. Euh, elle est un peu plus lourde. Il y a ce pavé tactile, <coughs> la LED, le microphone, euh, les, les gâchettes. a vraiment, c'était euh, déjà analogique, mais on les, on les sentait mieux. Donc on avait déjà une manette PS4 qui, était, euh, qui avait déjà fait une rupture, mais dans le nom, elle s'appelait toujours DualShock 4. Là, il n'y a pas de question de DualShock 5. C'est DualSense. Ouais, -ce qu'est-ce qu que veut dire le nom dans ouais. le nom, il y a le sens, il y a le côté sensoriel. Oui, oui, oui. Bah. On sait qu'on n'aura pas l'odorat. Non, non, mais c'est important. Ouais, c'est sûr. La manette peut, 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 nous, peut nous, nous surprendre sur euh, ni le goût sur les trois, les trois sens restants. Donc le toucher. Bah, c'est tout en fait. Ouais et mais. la vision. Bah, la vision et oui. La vision, ce sera. L'image, mais pas par la manette, Louis... ben, Si, non, 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 je suis pas d'accord. Déjà sur la Dual ah... 4, tu pouvais déjà avoir euh, avec le euh, Ah, ouais, ah, ouais, ouais... la bah... LED. Ah, ouais, bah, alors, putain, attends, ben bah, 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 revenons, revenons 30 secondes sur cette histoire de LED de la Dual 4. Je me rappelle au lancement de la machine, presque on nous avait fait un caisse avec cette LED. Ouais, vous verrez euh, quand vous jouerez à Tomb Raider, euh, le, pro... le Tomb Raider Reboot qu'ils ont remasterisé sur PS4. Ouais, quand, quand Lara sera dans la grotte et qu'elle aura une lampe torche, vous verrez de la, de la LED, il y aura une espèce de lumière blanche qui sortira. Quand, quand, quand Lara. Non, mais c'est vrai Et en plus, c'est vrai. ou pas Mais oui, ça le fait quand, ah merde, quand, Non, mais quand, 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 quand Lara va se faire tirer dessus, ben, la LED va devenir rouge pour vous signaler qu'elle est, qu euh, qu est, qu est faible, sûr. tu vois. Qu'elle a ses règles. Et, <rire> 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 et en fait. Le pire, le pire, c'est que c'était pas du mensonge, ça a marché vraiment effectivement comme ça. Sauf que dans les faits, c'est, je vais être vulgaire, c'est casse couille cette putain de LED, à tel point qu'ils ont dû faire mal rétro-pédalage en, en cours de génération, en donnant l'accès de pouvoir diminuer euh, un peu, un peu l'intensité de la LED, tellement un quand, peu même pas mal, ouais. quand, quand tu joues dans le noir, moi, plein de fois. Parce qu'après, cette lumière, elle reste globalement... Reste, elle reste tout en, tout en, tout en bleu, tu bleu -âtre, vois Bleuâtre, ouais, ouais. Qu Quand je joue dans le noir, j'ai le reflet de la LED dans l'écran, tu vois Ouais, c'est chiant, ça, ça. ça. casse les couilles, en fait. Donc, en fait, déjà, visuellement, c't cette évolution, révolution visuelle, j'ai envie de dire qu'on s'en passerait volontiers, tu vois Non, mais par contre, là, il n'y a plus la LED en... En... en façade, en fait. Enfin, en, fa en tranche de façade. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire. Elle est autour du pavé tactile et j'ai remarqué qu'il y a plus les, les couleurs sur les boutons. Alors je me suis demandé s'il pouvait pas y avoir un rétro éclairage de la manette en fait. Ouais, ça c'est stylé ça. Ça c'est quelque chose qui a, été, qui a été soulevé, voire même réclamé. Alors à voir si c'est pas trop euh, énergivore. Ouais. Mais c'est pareil, c'est toujours pareil. C'est que euh, c'est bien beau les lumières, les, les néons bleus des, des gros PC. Hein. <laughs> des, des, des gros tuneurs de voiture les néons bleus ça fait ça fait rêver les tuneurs mais euh, faut, faut faut se mettre en situation quand tu joues dans le noir tranquille chez toi t'as pas forcément envie d'avoir cette, cette espèce de pollution visuelle quelque part j'ai pas enfin encore une fois je reviens sur cette led principale c'était plus une pollution que qu'un qu ajout oui non, non si ça a été mal foutu ça c'est clair après si si y si, a si, un rétroéclairage des touches mais qui peut être paramétrable, comme par exemple là sur, le, sur le MacBook, tu as, as les touches qui sont rétroéclairées, et ça c'est super quand, quand tu veux travailler un peu dans le noir. C'est assez, assez subtil, mais suffisamment présent pour, pour, pour distinguer tes touches. Si c'est pareil sur la manette, c'est cool. Mais si ça commence à être multicolore, ou que c'est pas paramétrable, ou qu'on t'impose une disposition, une configuration euh, au détriment d'un choix plus souple, je dis non, tu vois. Bon, donc ça, c'était le côté visuel. Le côté, par contre... Euh, audiophonique. Euh, audiophonique, comme bah, tu le dis très bien. Il est déjà intégré est... dans la machine, en fait. Oui, mais le... il y a un plus, là. C'est-à-dire que là, il y a un micro intégré dans la machine. C'est-à-dire que tu pourras... Dans la manette. Techniquement, dans la manette, tu pourras chatter directement avec la manette. Alors bon, ça risque d'être ouais, chiant. Mais alors, euh... Ouais, mais alors pareil. Attends. Euh, Mettons-nous en situation, tu vois. T'es euh, en train de, de jouer en ligne à Call of. <coughs> Tu, tu veux chatter par la manette directement. Comment, co comment la manette... Est-ce que, est que la manette va réellement bien filtrer le son de ta voix par rapport au son, si brioche à la ouais. voix ou si... si ou, tu vois bah, Au même titre qu'un casque ne, ne, le, le fait. Je pense que même les iPhones, tu sais, ils ont tous... Enfin, les, les smartphones, ils ont une, une, un système de détection de voix qui fait qu'il euh, y a une réduction du bruit ambiant. Et on voit vraiment que les technologies de réduction de bruit ambiant marchent très bien sur les airs, enfin sur beaucoup d'écouteurs intra. Donc pourquoi pas Après, je pense que, à mon sens, ça sera aussi utilisé pour naviguer dans la machine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a une PlayStation caméra branchée, comme c'est mon cas, tu peux, ouais. Tu peux le On faire. On peut euh, totalement naviguer dans, dans les menus de la PlayStation. Alors, il faut apprendre un petit peu par coeur. Et euh, c'est pas forcément le truc. Ouais, est le plus, que, est que, alors, euh, est-ce que tu l'as fait technique Est-ce que tu l'as fait Est-ce que tu l'as mis en pratique Je le fais de temps long. en temps, en ah fait. Bon Genre, vas-y, dans quel contexte, par exemple Pour éteindre la Play quand j'ai pas la manette sous la main et que je vois qu'elle est encore allumée. Ah, vas-y, tu fais comment alors PlayStation. Et elle s'éteint Tu un? dis ça comme ça Non, non. Ah. Ensuite, tu dois <laughs> dire d'autres choses. Ah, mais quoi <laughs> Je, je, là, je l'ai plus en tête, mais euh, je crois que c'est Enter Rest Mode pour moi qui suis. Euh... Oh putain, oh non! Pa Power putain. Settings, Enter Rest Mode. Putain, le, le mec, il se la joue bilingue, non! Mais je suis bilingue, va te faire enculer. <laughs> c'est comme ça, dis-lui vite. Je suis même trilingue. Donc, euh... Et ça marche play en pakistan Station. Elle accepte le, pas, le pakistanais? Euh, le plaisir. <laughs> je suis sûr que tu sais imiter l'accent pakistanais. <laughs> ouais, mais j'ai peur que ça soit raciste. Ah non, bah tu dirais l'accent marseillais, je ne ouais. me vaxerai pas, tu vois. PlayStation, please. Please disconnect. Switch, switch, off, switch off the console, please. <laughs> to, 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 to switch off the console, please. Don't throw off the light, part, please. Well, Indo-pakistanais, il euh, gros respect à cette communauté. Mais non, mais on, on se moque on rigole, franchement. Oui, enfin, ouais. Non, mais il y a toujours pour le pire, c'était le mec pour la. Non, mais normalement, du... j'ai vérifié dans les, dans les statistiques YouTube, je, je t'avais dit, on a 0,5% de réunionnais, j'ai pas vu de pakistanais de sur la chaîne donc, on peut smash. Euh, se on, se se on peut Allons-y. Allons-y. Tout chaiselant, plus. Du coup, euh, du coup, euh, ouais, donc, euh, ouais, donc, ça sera peut-être des commandes vocales qui seront peut-être utiles et ça permettra peut-être aussi de chatter des fois hors jeu parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui communiquent par la play. Là, ça oui, alors, plus, alors par contre. Ce il ils est... se mettent en partie et ils discutent la soirée comme ça en faisant autre chose, en s'envoyant. Ouais, mais alors, attends, et le, le, son, il, le son, il sortirait par où Par la manette Ouais. ouais, à voir. Ouais, à enfin, si c'est si c'est de de, bon, de bonne qualité correcte, on va dire. Et hey, tu imagines, ça se trouve les émissions l'année prochaine, on les to... on changera lui Yeti, on aura la dual sense comme ça. Salut, 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 tout le monde. Comment ça va C'est clair. <laughs> Par euh, contre, non, donc... non, ce qu'il peut y avoir d'intéressant avec la voix, c'est si ils intègrent, moi, bon, ça n'en sait rien. Si ils intègrent un assistant vocal, tu vois. C'est ça. Enfin, c'était le ah oui, la oui, non, mais... ce que je disais, tu vois, un vrai en ouais, mais... vocal. Ouais, un truc PlayStation, dis euh, PlayStation. PlayStation. Non, c'était comme le dit Siri. Ah oui, j'étais con. <laughs> 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 mais qui est mon putain, c'est pas vrai. Dis, euh... hey PlayStation. Ça peut être aussi, hey PlayStation. Qu Qu'est-ce bon, qu'on euh... ici on imaginait, ouais, la phrase d'accroche pour la machine. Yo PlayStation, Yo PlayStation, ouais. Non, ah, que tu puisses la personnaliser, quoi. Ah ouais, que tu puisses donner ton nom, ouais, le nom. Euh... Je sais même pas non, comment je l'appellerai, tu vois. Non, mais non, parce que si tu l'appelles Robert et que demain moi je suis au téléphone et que j'appelle à Monsieur Robert, du coup la Play va se va réagir. <laughs> ouais, c'est sûr. Non, c'est, tu vois, c'est pour ça que c'est pas Siri, même si, euh... parce qu'à chaque fois qu'il y aurait un reportage sur Bachar al assad l'iPhone <laughs> il serait complètement PLS. C'était plus euh... Euh... Hey PlayStation. Oui, que puis-je faire pour vous euh, Montre-moi dans le PlayStation Store les derniers jeux, tous les jeux Final Fantasy. Oui, alors, je vous les montre. Alors là, ouais, là la galère parce problème, est le est que le, le ouais, moteur d'envolage c'est grave. Ouais, non, même alors. le PlayStation Store une fois sur deux c'est tu sais, genre il <laughs> y a les signes comme ça, puis au bout de, au bout de cinq minutes message d'erreur. Okay. <laughs> <laughs> des, fois, enfin, des fois, je m'arrache les cheveux, j'achète, euh, je rentre une clé, je l'ai pas téléchargée, enfin, c'est tout le bordel. Donc, euh, non, mais ça peut oui, servir euh, euh, en jeu, j'en sais rien, tu vois. Es, euh, euh, parce qu'il y, y a cette histoire de. PlayStation fait une capture d'écran. Ouais, par exemple, ouais. Par exemple. Parce par que contre, bon, ouais, ouais. Euh, du, du coup, euh, bon, euh, ça, c'est des, des fonctions. Il y a la prise en main aussi qui a changé. Elle, est en, elle a l'air enfin un peu plus. Euh, euh... dans une prise en main un peu plus. Oui. du box qu'on va dire. À voir, ouais, c'est vrai que elle paraît un peu grosse et bombée, là, visuellement, mais c'est toujours trop... On est pas... Enfin, il y a une petite filiation hein, qui te rappelle du boomerang. Ah ouais, ouais mais ça, Qui se rappelle du boomerang dans le chat C'était la manette PS3 à l'origine, vais... la... c'était vraiment un batrang, hein, le truc. Je vais... Vraiment je... Un... je vais le noter, tu vois, pour le montage avant la mettre. Ouais, c'était un boomerang, le truc, vraiment. C il y avait des Les manettes, c'était comme ça, quoi. Attends, c'était un boomerang, et surtout sans, sans vibration, hein. Alors, est-ce qu'il y avait les, les, les vibrations Elles n'étaient pas sur le boomerang Parce que, après, en fait, la première manette de PlayStation 3 s'appelait pas DualShock 3. Elle s'appelait, tu te rappelles comment la Six 6-Axis. La axis ouais. ouais. Elle était, je crois que c'est la pire manette qui ait jamais existé. Vraiment. Mais non, Pour mais moi, attends, 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 attends non, je, je, je suis largué là. C'est-à-dire, quand stacher une PS3 Day One. T'avais pas la vibration pas une... dans le DualShock Non Rappelle-toi qu'ils ont dit, au moment où ils ont présenté ce mais grand, oui ils ont... ils ont dit les vibrations, c'est une technologie du passé. Mais oui, mais je pensais qu'ils avaient quand même... Qu'entre le moment non. où ils ont dit ça et le lancement, non. ils avaient rajouté... Non. Le... Mais ils ont rajouté quand, non. les vibrations, alors bah, Deux ans après, sur la ah DualShock bon 3. Mais ouais Parce que... Elle est, enfin, peut-être un an après. En tout cas, au début, avec la PS Fat, celle qui est retro-compatible PS2, il y a la 6A6. 6. Moi, quand j'ai acheté, dès la baisse de prix... Euh, ouais. euh, la, la PS3, il y avait encore la 6x6, et donc elle était horrible parce qu'elle était, était extrêmement légère. Elle faisait vraiment jouer plastoc, aucune vibration. Donc euh, et ça te, tu te rends compte à quel point ça te manque et que c'est que devenu quelque chose d'absolument euh, logique ouais, ouais, dans, ouais. le, dans le retour de jeu. Et euh, putain, mais ces gâchettes elles étaient pourries et tout. Enfin, C'était <laughs> catastrophe. En plus, ces, ces sticks-là, euh... oh, en, en parlant de vibration, parce que là, on va, on, on va arriver un peu au cœur de la petite que tu vois. Juste finition ah ouais, sur la, la forme. Ah oui, oui la quoi, forme. Pardon. Bah, la, la, la forme, je la trouve. Tr... Enfin, c'est con ce que je veux dire. Je la trouve très séduisante. C'est-à-dire que, enfin, globalement, la. Main... Bah, J'ai envie de la prendre en main, moi, ouais, ouais, la PS5, T'as envie de, de, de toucher la texture, de la prendre en main, de ouais, vraiment de la manipuler dans tous les sens, de, de, de la humer presque, tu vois. Mais euh, elle, 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 le donne envie. Elle donne envie. Et ce qui donne encore plus envie, c'est de pouvoir vraiment ressentir. Ces fameux retour aptiques. Alors j'ai peur, j'espère qu'on n'est pas tous en train je pense, de, je de je sentir mais Par rapport aux nombreux commentaires qu'on qu a eu et que tu n'as pas lu euh, sur YouTube, je pense que beaucoup de gens disent que c'est, en fait, plus, euh, ça se rapproche globalement de ce que fait les Joy-Con. Ah ben, je, alors, je voulais faire le lien. Tu vois, sans lire le chat, vous lisez dans mes pensées. Justement, non, j ai, j ai, le chat parlé de ça Bah ben, je sais pas. as dit, t'as dit non, les, commentaires les commentaires YouTube. Dit... Ah pardon. Non, ok. Hmm. Non, mais, non mais juste arrête les commentaires YouTube, je les lis. Mais il y a plein de gens qui ont parlé de ça, disant "Romane, attention, tu t'emballes et tout." <laughs> non mais vraiment, c'est pas des conneries hein, Le truc c'est que justement si ma crainte c'est ça, c'est Est-ce qu'on s'emballerait pas trop sur les retours haptiques et si c'est juste vraiment si ça s'apparente juste vraiment à des moteurs de, des micro -mo une variété de moteurs de vibration vraiment localisés un peu comme le fait la Switch avec le HD Rumble. En fait, à l'usage, moi, je me suis aperçu que le HD Rumble de la Switch, parce qu'il n'est pas utilisé. Non, ce, bah, qu faut, ce qui ce ouais, qu faut... Tu... qu'il faut ce, ce, ça rapprocherait plus des sensations que tu as dans les gâchettes sur Forza, par exemple. Tu as, as joué à Forza. Là, ouais, là. ok, ouais. À ah, moi, moi c'est énorme. Franchement, si tu repasses cool. à un jeu, c'est... Non, non mais c'est fantastique. Oui, enfin, j'irai pas jusqu'à fantastique. Ah, moi, pour moi, c'est fantastique. Ça, moi, je, je, à chaque fois que je joue à un Forza Motorsport, pas un Horizon, hein, mais surtout Motorsport, tu vois vraiment quand tu quand tu conduis la, la, justement la perte d'adhérence. Ah oui, mais justement parce que toi, tu perds souvent l'adhérence. Moi, je tiens la route droite, donc je ne ressens pas trop. Tu es obligé ce truc. parce que tu conduis que des voitures <laughs> genre des Toyota Yaris. Dès que tu conduis des voitures d'hommes genre des Mustangs ou quoi, tu es obligé de perdre de l'adhérence, frère. Mais ouais non c'est je... hein, cool. de... franchement non, encore une fois oui non c'est très bien pour les jeux de voitures franchement les... 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 Mais... les vibrations dans les gâchettes Microsoft c'était top sur cette génération sur tous les jeux c'est un vrai il ouais, y, y a quel autre jeu qui exploite la vibration des gâchettes même dans certains jeux de tir aussi ah, as dans gears un... tu vois dans gears pas pas... Dans... même si dans certains autres jeux de tiers il y a pas de... genre dans... ouais dans Call of par exemple j'ai pas de Call of... J'ai je, je joué qu'à Call of Ghost sur Xbox. Après, je les ai tous pris sur PS4. Bon, ben en, fait, tout ça, tout, en fait, tout ça pour dire qu'au même titre que tu dis « Ouais, mais le HD Rumble, il est pas exploité dans les jeux. » Non, c'est vrai que c'est pas exploité non, mais... Alors, fond, quid, mais euh... quid de l'exploitation potentielle de la DualSense dans tous les jeux, tu vois Et je précise que les, les vibrations sont plus précises sur la manette Elite... Dans plein de jeux, ce qui fait que c'est plus intéressant de. Euh, voilà. <laughs> euh, alors, les questions, je, je les ai en tête, on y répondra après. Euh, bon, la forme, on est curieux, on a envie de la prendre en main, et donc il y a cette, ce côté euh, vibraptique. Euh, moi, ce qui me fait tilt, c'est que vraiment, ça, ça va de pair avec le nom, Dual Sense, la, le côté. On va sentir la manette, on va sentir le... Ouais, les le, textures. Les, les textures et tout, donc. Euh, à voir, parce que c'est vrai que le meilleur exemple qu'on nous donne, je crois c'est, ouais, sur ce Grand Tourisme, bah, tu vas limite, tu vas sentir quand tu roules sur de la glace, ou sur du bitume, ou sur du gravier. Ok, mais, mais c'est, ouais, alors, d'après le. C'est un jeu. Euh... Non, mais d'après le retour, c'est complètement insane pour paraphraser Seb. Mais j'ai du mal à comprendre, à, à, à visualiser, enfin, à, 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 à imaginer ce type de ressenti vraiment, tu vois. Co co comment? Est-ce que l'aptique c'est vraiment collé à des moteurs de vibration, vraiment à des nuances extrêmement précises Est-ce qu'il y a autre chose qui peut faire ressentir différentes textures que des moteurs de vibration, en fait bah, je, Franchement, je, on n'a pas les détails. J'aimerais je, je, aime, bien. Après, ce que, ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas gadget. Tu vois ce que je veux dire ouais, bah ouais. Que ça ne soit pas euh, un truc qui soit sous. Enfin, Typiquement, le pavé tactile qu'on retrouve <laughs> sur cette DualSense de la de la DualShock 4, il a été globalement extrêmement sous-estimé. Ouais, peut explo sous exploité, sous-exploité, sous ouais, cette sous -exploité, génération de console, sous-exploité, ouais, je suis d'accord. Alors que franchement, au lancement, on, on se rappelle de Killzone, on s'est dit "Ah putain, c'est pas une mauvaise idée." Après, je mmh. pense qu'il y a aussi une question de moi ce qui m'a toujours gêné sur ce pavé tactile et c'est con parce que j'ai une, une Il Dual est mal Shop placé, 4, il est mal placé. Il est mal placé. Donc quand tu euh, quand tu quand, quand tu joues comme ça, tu es obligé de faire un gros mouvement de pouce. Et quoi. ouais. Pour accéder à. Parce que souvent, c'était pas une seule zone, mais il y avait par exemple dans zone il y avait oui. des gestes. Mais ou si des tu zones. fais. Ben voilà, tiens ta manette ouais. et interagis avec le pavé tactile avec tourner, ça marcherait, non Ouais, mais ben, je l'ai <laughs> déjà fait. <laughs> ah, je l'ai déjà fait la de, de jouer, de, de faire ça. C'est sûr. <laughs> sûr. Je l'ai même fait avec ma tub aussi, donc euh, ouais, c'est un peu plus intime. Mais euh, non, non, mais c'est. Euh, blague à part, c'est un, un peu chiant, tu vois, de, déjà naturellement une manette on la prend comme ça et ça j'ai fait l'expérience avec des gens qui avaient jamais tenu de manette de jeu vidéo mmh. je dis comment vous prendrez la manette en fait les gens ils positionnent toujours -y, la manette montre montre, montre. comme ça dire que le, le, ce, le pouce là il vient il vient pas naturellement ah oui là. oui oui bien sûr donc déjà j'ai toujours du mal à comprendre la symétrie des sticks même si sur certains jeux je veux bien entendre que c'est un peu mieux là mais plus, ce qui euh, serait euh, génial c'était pas Xbox. un truc interchangeable à la génération 360, ils n'avaient pas sorti une, en fin de vie une manette où, où tu pouvais intervertir. Un truc tiers, non hein Un truc tiers Je ne sais plus, mais je, je manette revois. Manette tiers, ouais, ouais, moi aussi, je revois un truc où tu peux intervertir. Le stick le, et la, la croix. croix ouais. direct... bah ouais. Et ça serait vraiment bien d'avoir bah oui. le choix, d'avoir le stick ici. Euh, voilà. Les gâchettes seraient mieux, il y aurait un, une meilleure adhérence. Je suis un peu deg, moi, de perdre le schéma de couleur. J'aime bien le, le côté. Euh, pour oui, moi, non, je pense, je, je pense de... ouais, mais regarde, je me suis fait la même réflexion, la même réflexion, et après coup, je suis revenu sur, sur ce que je pensais. Rappelle-toi, le premier logo PlayStation, il était multicolore, tu sais. Ouais. Bah maintenant, le logo PlayStation, il est soit noir, soit tout blanc, soit un peu gris, comme sur la console, comme sur la PS4 Pro. Et en fait, c'est beaucoup plus moderne quand c'est, quand c'est presque monochromique, tu vois. Multicolore, et je pense qu'à terme on aura la même sensation sur les touches de la PlayStation. On se dira, ouais, finalement c'est mieux que ce soit vraiment sobre, tu vois. Puis quelque part, ça, ça accentue l'objet. Il a beau être big, à uh, a beau être de deux couleurs, la Dual Sense, noire et blanche. Mais le fait qu'il n'y pas les couleurs des boutons, ça donne une espèce d'enveloppe où tu as vraiment, mm. je sais pas, ça accentue l'envie le, le, de la prendre en main. Euh, Qu'est-ce que peut... je voulais dire un truc? Ouais, non, ça peut être intéressant, la Psyc, si c'est bien exploité, euh, dans la réalité virtuelle, par contre. Imagine, là, pour le coup... Si euh, j'allais y venir à la VR, Là, très bien. Là, tu, tu, tu maximises euh, littéralement l'immersion. Parce que ce qui manque, des, des, des fois, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est troublant en VR, notamment avec les PS Move, c'est de vraiment voir ces mouvements des bras et des mains retranscrits à l'écran, donc tu t'y tu, tu, crois. Là, si derrière, on peut imaginer des PS Move à que tu vois où, moi, j'espère vraiment qu'on qu ne qu sera plus obligé de jouer à la manette au PS Move. Parce que franchement. Attends, attends, j'ai pas compris. Euh, non, oui, j'ai dit n'importe ah quoi, ouais. c'est normal. Un... <laughs> euh, j'espère je, qu'on ne sera plus obligé de jouer à la manette au PSVR. Ah, il que faut... le prochain PSVR, faut... on soit obligé d'avoir des contrôles. C est, c est, pour moi, c'est antinomique. Non, il ne faut pas l'obliger. Regarde, ben, je vais te dire, regarde Astrobot. Je crois que tu ne l'as pas encore commencé. Mais Astrobot, il est très bien. pas Astrobot. Mais Si je te l'envoyais. Si, tu me as envoyé, je sais. <laughs> Astrobot, il est très bien à la manette, en fait. Tu peux pas y jouer avec le PS Move, ça n'a pas de sens. Pourquoi Déjà, sur le PS Move, tu pas de stick actuellement Si. Non. Non, effectivement. Mais... Tu, tu si, mais tu... non, mais tu l'as sur. Euh... Sur le, le truc qui n'est pas, en fait, eh ouais, pas compatible avec le PSVR. Ouais. Qui est con, mais, mais, mais euh, oui, je vois. Mais, mais eh ouais, con. A, finalement, le système Wiimote Munchuk, c'est le mieux. Non, mais rien n'empêche de sortir. De euh, toute façon, non, ça sera ouais, pas mais les MOVE mais, 1, ce hein, ouais, euh, sera un MOVE 2. Ouais, mais, <coughs> rien n'empêche d'autoriser la compatibilité. Oui, dans certains manette, cas, avec vois? la manette, évidemment. Mais je pense que. Euh, si on veut vraiment faire un pas dans la VR, il faut qu'on s'affranchisse non seulement des codes de l'espace comme, comme la, la, la VR le permet sur beaucoup de jeux, mais aussi du contrôle. Ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que vraiment, et je trouve que, ces que, que de proposer des accessoires, c'est bien euh, d'avoir ça. Parce que ce qu'il y a pour la VR, c'est qu'il n'y a pas, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, la diode lumineuse qui n'est pas sur le, euh, sur le devant de la manette comme on la voit ici... Ouais. Ici, pardon. Ici. Euh, cette diode lumineuse était très utile pour le PSVR. Elle était repérée, repérée par la caméra et elle permettait de jouer euh, euh, avec le PSVR. L'absence en eh façade oui. de la diode lumineuse, comme ça a l'air d'être le cas, nous laisse quand même. Entrevoir le fait qu'elle qu ne sera pas compatible PSVR cette PSVR. Ou alors, on a mal vu le truc. Ou alors, ils te diront tout simplement... De toute façon, le PSVR était un, une technologie de la PS4. Prenez votre DualShock 4 si vous voulez jouer avec ça. Parce que la, je ah, oui, oui, pense oui. peut-être que la DualShock 4 pourrait être compatible. Ça serait vraiment con de ne pas le faire étant donné que euh, ouais. euh, la, les manettes Xbox sont compatibles. Donc justement, Roman, si on met l'une en face de l'autre, la manette Xbox Series X, on l'a <coughs> vu, mm -hmm. et la manette euh, DualSense 4... DualSense, tout court. Qui ouais. a des, des sticks un peu différents. Il y a une petite couronne, euh, comme, comme, comme sur euh, la DualShock. On voit qu'autour du stick, il y a une espèce de, euh, de, de petit rebord. Comme euh, la peau du gland, on va dire, à peu près. Et euh, <laughs> du coup... Pour la manette Xbox, tu parles De la manette PS4. Ah oui. Celle-là. Oui, oui, oui. Et sur la DualSense, il y a la même chose. C'est la même forme, donc... Euh, avec un tour... Un contour un peu crénelé, donc oui, euh, oui, oui. qui, qui peut-être permettra une usure un peu moins rapide des sticks. Euh, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés. Dites-nous dans le chat si on a oublié quelque chose. donc, si on les met en face, il y a le côté euh, nouveauté de la DualSense, mais en face, il y a quand même ce qui, est à mon sens, la, la manette la plus aboutie de l'histoire. Bah, ça tu dépend, ma, t as, t as, une, as une manette euh, Xbox One du coup, parce oui, que tu as une oui, Xbox oui, One. Oui, oui. oui. Non, je suis d'accord pour dire qu'en termes euh, d'ergonomie, de prise en main, euh, les gâchettes adaptatives, euh, les, en, en l'état, la manette Xbox est irréprochable. Tu vois, même, même ma femme avait essayé Forza Horizon sur la, sur la One, et quand elle a pris la manette Xbox One, elle m'a dit Putain, mais en fait, elle est, euh, la manette est 100 fois mieux que la manette du h 4 quoi, tu Ça, c'est imparable. Tu, 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 imparable. Fais, imparable. Tu, tu, mets, tu mets les manettes à côté de deux oh. personnes qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. <laughs> C'est que 100% ils vont préférer la, la manette Xbox. C'est clair. Le problème, après, si, si tu veux, en fait, je suis quand même partagé de, par, pour la manette Xbox, c'est-à-dire que ce qu'elle le fait, et par rapport au genre de jeu que la machine propose, c'est irréprochable, c'est parfait. Mais elle n'excelle que dans, seul, dans un seul registre. C'est-à-dire que as aucune, t'as pas de gyroscope intégré. T'as pas de. Enfin, je veux dire, c'est une manette très traditionnelle, en fait, dans le form factor et dans les fonctionnalités. Mais oui, mais c'est raccord avec la machine. C'est ouais, un truc, tu vois, c'est scolaire. C'est très scolaire. C'est OK. La manette est quasi parfaite. On va pas chercher à aller plus loin. Euh, mais je, je déplore euh... un peu ce manque de, de risque, tu vois, ou de créativité presque, tu vois, ou de surprise, en fait. Parce que quelque part, quand on je achète. Je pense qu'il y a un, euh, la vraie surprise, c'est la présence de, de piles. <laughs> ouais, non, ça, ça me gaffe. C'est complètement con. Ouais, ça, ça, y a des... Attends, je, je... Le... Attends okay. les arguments des défenseurs, c'était assez full, quoi. Ouais, hein, trouve Et moi, ce qui me gave aussi sur la mallette de la One, c'est de pas avoir de prise jack. Ah, parce que tu as un, un vieux modèle. Ah, peut-être, ouais. Oui, oui, sur les, sur les modèles plus récents, il y a la prise jack. Ça, ça devrait être d'office de. Non, non, il y a la de prise série, jack. C'est euh, vraiment oh, okay. les premiers ouais. modèles. de Mais... euh, D'ailleurs, par rapport à. Oh, donc, si toi, tu as ces modèles-là, <coughs> les gâchettes ont été un petit peu revues, les bumpers, il me semble. Il euh, y a de, ah, okay. de, 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 deux, trois petites améliorations, euh, me semble-t-il. Il <coughs> y a un petit grip aussi, en plus. Et euh, mm. non, la, la nouveauté, c'est la présence d'un bouton cher sur le. Ouais. Euh, sur la manette euh, Xbox bon, bon ça c'est pas trop mal et du coup pour ne pas euh, pour, pour montrer un signe d'évolution Sony a proposé un bouton Create, create ouais. création avec euh, donc on ne sait pas si c'est pour faire la même chose c'est juste pour dire ah non on a changé le nom donc on espère quand même ah peut-être que j'en sais rien imagine euh, là je pense à un truc là tout con imagine <coughs> Tu fais une capture, un screenshot avec ta, ta DualSense, avec ta PS5, et le truc Create. Peut-être qu'à partir d'une screenshot, tu pourras, via, dessiner dessus, ouais, via le pavé tactile, soit dessiner dessus, soit faire des réglages photographiques, tu vois, comme si tu déplaçais un curseur. Tu sais, ce qui serait bien aussi, ça serait que. Parce que là, c'est vrai que quand tu appuies sur le bouton, moi, moi j'ai paramétré qu'un appui, t'as le bouton ah qui s'affiche. Ouais, ok, ouais. Mais j'appuie dessus, et genre. Je dois attendre 20 secondes, tu vois, avant que les options soient dispo quoi. Attends, tu parles de la quelle manette là La DualShock 4. Donc si tu appuies sur le bouton quoi, cher ou option oh, cher. Donc tu sais, j'ai le menu, j'ai le menu, euh, j'ai un menu. Parce que moi je voulais je, je, je c'était plus pour prendre des séquences vidéo de Street 5 globalement. Ouais hein, ouais que... ouais. Et donc ce menu là et, il met 20 secondes à s'afficher Non il s'affiche vite mais en fait l'option euh, sauvegarder la capture d'écran ou sauvegarder la vidéo c'est grisé pendant un moment tu vois comme si euh, ah ouais, à la long, mise en cache était longue tu vois et ça je trouve ça me saoule tu vois de la part euh, Ah non moi ça va vite dit... ça Non ben bah, euh, je... bah, c'est peut-être les réglages que j'ai fait du coup euh, Ah peut-être ouais qui, qui mettent enregistré en, en, mal, en euh, 1080 ouais. euh, je sais pas euh... Euh, ça, par contre, si tu veux, tu vois, euh, trim la vidéo, la couper, ouais. tu vas garder qu'un segment, tu es obligé de, de, de suspendre le jeu et d'ouvrir une appli, enfin, de, de, le jeu, le jeu auquel tu joues se met en suspens. Ouais. Sur Street 5, ça te déconnecte des serveurs et tu dois, euh, donc c'est un peu chiant. Là, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse éditer une vidéo aussi rapidement que sur l'iPhone. Tu vois, sur l'iPhone, tu prends oui, une bien vidéo, sûr. une photo, tu fais les réglages en deux secondes. Ils ont tué le marché des applications photo tierces, tu vois. Car, on, ouais, c'est clair, bien, ouais. Donc, euh, c'est de fait, devoir avoir cette, cette flexibilité-là. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que quand tu achètes une nouvelle machine, un, un des attraits, un des plaisirs que tu as, c'est de, de prendre en main une nouvelle manette, tu vois. Et ce truc-là, on ne va pas vraiment le ressentir avec la série X, tu vois. Alors, attends, il y, en a, y en a encore des réactions... Euh, bah écoute, effectivement, je, 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 je vous crois au final que effectivement il y aurait aussi de l'aptique sur la manette Xbox. Oui, mais, mais je. Euh, on a des sources, il y a plein de gens qui nous disent oui, il y en a qui nous disent non. Donc, comme on n'est pas les vérifier. Non, mais, mais ce, que, ce, ce qui me paraît étrange, c'est que. Mais si... les gâchettes, elles sont déjà aptiques, on m'a dit. Bah parce que, comme, vu que c'est adaptatif, on considère que c'est entre guillemets aptique. Je, je vais apt aller aptique, sur Google. Tu vois. Mmh. Mais si, si, si vraiment la prochaine manette Xbox est, est aptique. Euh au Sens littéral premier du terme, pourquoi ils ont pas communiqué là-dessus Pourquoi ils ont laissé Sony s'emparer de ce de ce de cette aptique fonctionnalité haptique ou attique, feedback Haptique. H, okay. H A -P -T. Bon, Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Bienvenue, David, parmi les membres Moulinex. Merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce qui te plaît Enfin, moi, ce ce qui me dérange, les... avec le pad Xbox en général, qu'est-ce qui me plaît ou me dérange non, parce que tu avais l'air de, 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 de quand je te disais que c'était le meilleur pad, tu avais pas l'air d'être. Euh... <laughs> si si, bah, c'est le meilleur pad pour les dans ce registre-là de jeux entre guillemets traditionnels, Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ce pad-là, il autoriserait pas. Euh, un... Là, j'ai une source qui dit il n'aura pas d'aptique feedback. Ah, bah, pour moi, enfin, pour moi, s'il y en avait, ils ne auraient... ils seraient pas gênés pour communiquer là-dessus, Microsoft. Attends, ils nous ont dévoilé. Non, ils ont des gâchettes adaptatives, ça, oui, mais. Bah... Mais pour moi, c'est tout en fait, tu vois. Est-ce qu'il est qu y a des réactions dans le, dans le chat Ça dépend. Certaines sources disent oui, d'autres non. Ouais, donc enfin, euh... pour, ouais, ouais bon. Ou alors ça se Je pense que de que, que, toute façon, bon, c est, c est, on verra bien ce que ça bah, donne qu sans essayer. Ce, 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 ce qui me dérange, enfin, ce que je trouve un peu limité dans la manette Xbox, un truc tout con, tu vois. Aujourd'hui, quand ouais. qu on joue à Splatoon 2, par exemple, je trouve ça super cool de, de gérer la caméra avec le gyroscope de la manette, en fait. Oui, mais c'est spécifique à Splatoon. Oui, mais je veux dire, oui et non, parce que Splatoon, si tu veux, la caméra, tu peux la gérer avec ton stick droit. En fait, un oui. jeu comme mais ben, c'est valable pour tous les TPS. Aujourd'hui, euh, un TPS, sort sur, euh, sur Xbox, ben, la caméra, tu la bouges qu'avec ton stick droit, tu vois. Oui, mais ça, c'est euh, pareil, sur la manette de play. Mmh, ouais, sauf que la manette de play, tu as quand même un gyroscope qui est exploité dans certains. Dans, dans certains. jeux. Oui, peut-être, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que la manette Xbox, aussi excellente soit-elle en l'état, elle n'est capable de faire que ce qu'elle fait, en fait. Elle ouais, est... mais je préfère ça plutôt que des, des trucs qui, qui. Tu vois, franchement, ce pavé tactile, je m'en serais, serais bien passé. Ouais, mais il ne te fait pas de mal, il te gêne pas. Je dis pas qu'il me fait du mal, tu vois, mais euh, c'est peut-être un coup de production euh, qui, qui joue sur, euh, sur ça. <coughs> Pareil pour cette LED. Tu vois, enfin, plein ouais, de la, chose la, la, la LED, elle sert pour le PSVR, c'est juste qu'ils ont dû. Ça, ça coûte quand même 60, euh, bah, 60 balles, une manette. Ouais, mais c'est le même prix qu'avant, tu vois, ça n'a pas gonflé le prix de la non, manette. Non, je sais, je sais, mais bon, euh, je sais pas, tu vois. Non, par contre, euh... ce qui peut faire peur, c'est le prix de la DualSense, hein, par contre. Alors voilà, ça c'est une question qui est revenue dans le chat, le prix de la DualSense. Moi, je pense qu'on sera dans les 100 balles de la manette, euh, Ah putain, tu crois Oui, ouais ouais, 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 je pense. Ouais. Attends, si la manette coûte 100 balles... Si la manette coûte 100 balles, eh elle coûte 100 balles. Qu Qu'est-ce tu veux que je te dise Non, non, mais c'est pas ça. C'est que euh... combien, combien ça fait gonfler le prix de la console, tu vois. C'est, il euh, y a bien un peu te qui vend un clavier à 400 balles. Non, mais donc, ok. Euh... Non, mais non, mais, non, mais, mais sauf que là, c'est euh, un clavier, c'est dispensable. Une manette, c'est obligatoire. Donc si manette coûte 100 balles, ça va faire gonfler automatiquement le prix, le prix de la console, en fait. Non, bah peut-être que pas de la console, mais qui vont se faire une, qui vont peut-être prendre cette excuse pour faire de la marge sur les accessoires. Ouais, peut-être, ouais. Je pense, moi. ouais possible. Bon, en tout cas, si ça coûte 100 balles, il faudra vraiment que les fonctionnalités elles soient exploitées euh, et pas qu'une fois deux. Selon Seb, qui m'envoie un message sur ma montre directement, euh, juste un SMS en fait, petit confirmé par IGN sur la manette Series plus une new feature à venir qui serait présentée avec un jeu qui serait logiquement Forza 8. Voilà. Donc, euh... ok. Donc, on a la, la manette <laughs> Xbox One X. Series n'a peut-être pas tout dit. Euh, bon, moi je trouve cette façon de communiquer euh, de toute façon chez les deux constructeurs un peu, un peu limite. Euh, bon, juste un dernier truc est-ce que tu penses que la coque sera interchangeable comme certains pensent à le dire Moi, pour des raisons de, de, de solidité, j'ai peur que non. La coque de quoi De la DualSense. Mais comment c'est. Attends, attends, attends. attends. La, la façade un peu blanche de dessus. Ah, c'est pas possible moi c'est ce qui me semblait aussi et par contre moi ce qui dernière chose je pense que ça nous donne clairement une indication sur le design enfin, en tout cas sur la colorimétrie de la PS 4 je vois pas la PS 5 toute noire PS5. la PS 5 pardon toute noire si la manette est blanche et noire ça c'est sûr euh... parce qu'il semblerait penser que il y a vraiment des tendances dans le design <laughs> en plus à revenir vers le blanc dans la high tech en fait euh... ouais t'as des exemples là bah le le home, le, bah, ah, le euh, Google Home. Google Home, le HomePod d'Apple. Enfin, Apple, ils ont toujours tout ouais, fait mais Apple, blanc. Ouais Apple, ils ont toujours tout fait blanc ouais. Apple ouais. ouais après, moi un moment en plus j'aime ai, bien à choisir, je préfère des euh, des appareils électroniques blancs. Tu vois, ça s'intègre mieux dans mon meuble télé, dans mon ouais. dans mon intérieur. Euh, J'espère vraiment que je ça suis... d'ailleurs un très bon choix de Cumulus du coup. Ah <laughs> ouais! <laughs> J'espère que. Tu sais ce que je, je, je regrette ma. Enfin, je regrette. Je regrette ouais, le design de la PS4 fat, enfin la première PS4. Je la trouve beaucoup plus belle que la PS4 slim ou la tu PS4. J'ai complètement oublié à quoi elle ressemblait. Ouais, ouais. Ah, mais elle était Et là, tu pouvais changer la coque. Tu sais, t'avais une partie euh, brillante sur la machine en haut sur une phase de la PS4 FAT. Ah oui, 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 c'est <coughs> ça. C'est cette là. coque, <coughs> voilà. tu l'avais changée. J'avais changé, changé pour un truc la coque, rouge. Un truc rouge. Et après quelques mois plus tard, j'avais pris une coque euh, plutôt jaune-argent, tu vois. Gris-argent. Franchement, j'adorais le design de la machine, la taille, tout. Pour moi, elle était parfaite. Je la trouve. J'aimais bien se liseré en fait euh, entre les ouais, deux. Ouais, c'était cool, ouais. Je, je la trouve effectivement plus jolie que que, que, la, la, pro qu la, que la pro. Que la pro. Tout à fait. C'est vrai que niveau design, ouais, ils ont pas été très inspirés avec. Euh, mais c'est pareil. Euh, ça fait pareil pour la PS3. Tu sais, la, la Fat, elle avait de la gueule et la PS3. Ouais, un peu de et, et, tout, ouais. et tout. Et j'étais dégoûté, moi, quand elle est tombée en panne. Ouais, J'ai dû pas, la démonter ouais. parce qu'il y avait un disque à l'intérieur et euh, et du coup, euh, bah, comme un con, je l'ai je jeté. c'est un bon, peu bête, mais. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, euh, tu peux noter une minute 17 s'il te plaît. Si euh, tout ce que une 18. si on peut tout ce qu'on pouvait dire sur euh, la Sense. Donc merci à ceux qui nous regardent en replay d'avoir vu euh, ce sujet sur la DualSense. N'hésitez pas à commenter et puis si vous avez, la vidéo vous a plu, à vous abonner et à cocher <coughs> la cloche la, la petite cloche